Internaute d'Activision TV, bonjour. Votre synthèse de l'actualité, c'est tout de suite. En tête à tête à Mermoz, Mimi et Maki vont-ils à présent fumer le calumet de la paix? La rencontre a eu lieu à la résidence de ce dernier. L'ancien premier ministre va-t-il oublier l'épisode de son limogeage du Conseil économique, social et environnemental? Va-t-elle mettre une croix sur d'éventuelles ambitions pour les élections locales? Après cet entretien, les prochains mois nous édifierons. Le FMI accorde 350 milliards de francs CFA au Sénégal pour une durée de 18 mois grâce aux droits de tirage spéciaux. Cette annonce faite hier intervient quelques semaines après le sommet de Paris sur le financement de l'économie africaine. Cette enveloppe de 350 milliards permettra au Sénégal de relancer son économie suite aux effets de la pandémie de COVID-19. Le FMI précise que les perspectives macroéconomiques du Sénégal pour 2021 restent assez fragiles malgré un horizon prometteur. En 10 ans, Macky a investi 400 milliards sur le nord du Sénégal. Selon le quotidien national Le Soleil, le chef de l'État a consenti des investissements énormes dans le nord du Sénégal, 400,2 milliards de francs CFA dans 34 projets majeurs achevés dans les régions de Saint-Louis et Matam, et prévoit aussi d'injecter 330,7 milliards de francs CFA entre 2021 et 2024 pour achever la modernisation du Fouta et du Wallo. La grande coalition de l'opposition se dessine en vue de faire face à Benno Bokoyakar lors des prochaines élections locales prévues le 23 janvier 2022. À Mbacké, 12 partis de l'opposition, dont le PDS, Bok Gis Gis, Dem Sabob, le grand parti, PASTEF, entre autres, ont déjà scellé l'unité pour partir ensemble au local. Idem à Bakel, où informe le journal dans sa livraison de ce mardi, un consensus a déjà été trouvé pour une tête de liste. À Touba, Bassirou Mbacké Abdoukhar, profitant de sa rencontre trimestrielle avec les chefs de village et délégués de quartier, a carrément fustigé certains comportements nouveaux qui ont fait surface dans la cité religieuse. Il s'agit de pratiques du football et de la manière dont certaines personnes ont déambulé avec des chiens. Il déplore aussi la vente de maisons qui est par ailleurs devenue fréquente. Touba est un titre foncier, dira-t-il à ce propos. Du nouveau sur la mort de Diénaba Traoré, des téléphones portables ont été découverts au Maroc entre les mains de deux vigiles, renseignent les échos. Ces cellulaires avaient disparu et injoignables lorsque la jeune femme avait été retrouvée morte dans les bandes des Filao lundi 31 mai dernier vers 14h. Les vigiles ont été cueillis par les enquêteurs qui les ont retenus pour nécessité d'enquête. Par ailleurs, la défunte a été inhumée hier. Elle reposera désormais au cimetière musulman de Yoff. Distinction plus enveloppe financière, Macky récompense les lions du Bishoke après avoir remporté la Coupe d'Afrique organisée par le Sénégal. Les Lions du Bishoke étaient au palais présidentiel ce lundi. Reçus par le chef de l'État, les champions d'Afrique ont eu droit au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. Une distinction qui s'est accompagnée d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour chaque joueur et membre du staff. Récompense bien méritée pour l'équipe nationale de Bishoke qui a décroché son 6e star continental. L'essentiel étant dit, merci et à très bientôt sur votre chaîne préférée.